Si Chauffeur de la lanceur était un film, ce serait lequel? Ben, le film de David Lynch, Wild at Heart, parce que vous êtes sauvage. C'était très difficile donc, de choisir entre Koyaanisqatsi et ça. Parce que Koyaanisqatsi, c'est un truc, c'est un moment clé quoi, dans ma vie. Koyaanisqatsi, c'est resté une référence pendant des années, en me disant que mon rêve, ce serait de jouer justement une bande-son que j'ai faite sur un film et tout. Et là, je vois qu'ils ont sorti Samsara, un truc qui est plus récent. Et du coup, je regarde, je vois le trailer, je me dis, au niveau de la qualité d'image, je trouvais ça assez incroyable. Mais je connaissais pas le film, je l'avais pas vu. Et puis un jour, j'ai essayé chez moi, j'ai posé des morceaux que j'avais fait sur Samsara, la vidéo, et là j'ai fait, ah ouais, non, mais là ça marche à mort. Et là je me suis dit, en fait, ma musique elle est assez moderne, dans le sens où ça mélange quand même des beats modernes et tout, hip-hop, électro, avec des instruments plus classiques. Et je me suis dit qu'il fallait pas du coup que je reste sur un truc classique, et qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort et que je prenne des risques, et que du coup, qu'il valait mieux que je prenne ce film-là, parce que c'était plus moderne et que l'image était plus moderne et que, pour le coup, les images parlaient plus avec la musique. Et ben, il y en a deux, bah, du coup, celle de Koyaanisqatsi, de Philip Glass, et celle de Interstellar, de Hans Zimmer. Voilà, le temps des gitanes. Je peux rien changer. La chanson Eder Lazy qui a fait le tour du monde m'a le plus fait vibrer. Et aussi, je kiffe les musiques indiennes, des films indiens. Et oui, ils font aussi ça. Quand je vois un film indien, je sors avec migraine parce que tellement ça m'impressionne, la musique, tout ce qui se passe, que je pleure de début à la fin. Si je sais pas, ça rejoint mon côté étrange et étrangère. C'est Ennio Morricone pour moi qui est un des meilleurs, un des rois de la BO. Vraiment, je trouve qu'il arrive à, emmener le spectateur, à lui provoquer des émotions qui en plus restent quand on écoute après la musique toute seule. On se remémore ses émotions, on se revoit les scènes du film et c'est en ça qu'il est très très fort. C'est-à-dire qu'on peut écouter sa musique toute seule, elle est déjà magnifique. Et qu'il y a vraiment une osmose avec le film, il y a quelque chose qui se crée, qui est, je trouve, incomparable avec lui. Toute celle de Danny Elfman. La première qui m'a vraiment marquée, ça devait être celle d'Edouard Romain d'Argent. Parce que c'était le premier film pré-ado que ma sœur m'a montré. Et là, je me dis, waouh, il y a de la musique dans les films, c'est génial. Voilà, j'ai vraiment fait le lien entre la musique et les films. Pour moi, je pense qu'il faut que ça crée, ça participe à créer de l'imaginaire et à susciter des émotions. Et pour ça, je pense qu'il faut de la nuance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit sur quelque chose de linéaire. Il faut des variations de ton, de rythme, pour multiplier les interprétations. J'aime bien aussi, moi, quand il y a un décalage, c'est-à-dire quand on est surpris. Ça contredit un petit peu les attentes du spectateur. Voilà, donc il y en a qui le font très bien, comme Tarantino par exemple. Il vous emmène sur quelque chose de différent, il vous emmène ailleurs. Je trouve qu'il faut une composition originale. C'est-à-dire qu'on peut mettre des musiques qui sont déjà connues pour les présenter différemment, mais je trouve qu'il faut quand même que derrière il y ait une création originale qui soit travaillée pour le film vraiment et qui participe à son identité en quelque sorte. Il faut avoir une certaine technique quand même, mais il ne faut pas trop s'y rattacher non plus, quoi. Il faut être dans la spontanéité. Quand il y a un truc comme ça qui vient tout de suite, en général, il vaut mieux s'y approfondir un peu plus et garder ça. Et ça marche pour tout, c'est savoir apprécier les erreurs, quoi. C'est-à-dire que souvent on fait des erreurs et des fois les erreurs, elles sont belles, quoi. Et parce qu'on n'avait pas du tout envisagé ce son-là ou cette note-là, et bah, des fois ça change tout.
Et c'est savoir repérer ces erreurs-là pour les réintégrer et puis les travailler un petit peu. C'est ouais, voilà, chercher les moments clés, qu'est-ce qu'on veut raconter. Il faut quand même qu'il y ait un thème qui représente le film, qui revient de temps en temps. Parce que ça crée un peu l'ambiance, qui fait un peu l'univers en fait, qui fait que le spectateur va plus être dans le film tout du long, quoi. Et puis surtout après, ben, quand on réécoute la bande-son sans les images, dès que le thème arrive, bon, voilà, on est dedans, on est dans l'ambiance, quoi. Red Hot Chili Peppers pour Dirty Dancing. Des fois, ça peut être aussi intéressant de sortir des codes. On peut très bien retrouver des sonorités pop sur des films dans un univers soit totalement fantastique ou dans un univers très, je sais pas, l'ère industrielle, par exemple. Moi, je trouve que dans un ciné-concert, ce qui est intéressant aussi, c'est la création. Donc, effectivement, pas faire du cliché ou de quelque chose de classique qu'on s'y attendrait. Et puis, il y a un équilibre aussi. Alors, c'est vrai que moi, je préfère quand c'est des petites formations. Je trouve que c'est plus équilibré. Il n'y a rien qui prend le pas sur l'autre. Moi, ça me plairait déjà de voir les œuvres de Chaplin jouer en live, en direct, avec une autre musique dessus. Je me dis, des films muets révisités avec des musiciens live, ça serait génial. Figuros, Portichette peut-être. Ouais, j'ai pas vu, je crois pas qu'ils aient fait de ciné-concert. Je partirais peut-être sur un film de Tarantino, parce qu'il y a un côté un peu fou. J'aime bien certains films de Kusturica aussi. Le côté festif, tout ça, voilà, un petit peu collectif. Ça serait pas un film, ça serait un dessin animé. Je dirais Les Zinzins de l'espace. Ben, le film de David Lynch, Wild at Heart, parce que vous êtes sauvages.